Un homme parti pêcher sans jamais revenir, un duelliste qui voit son père, ou simplement une carte. Aujourd'hui, nous allons parler du pêcheur légendaire. Apparu dans la première saison de Yu-Gi-Oh!, Mako Tsunami est un duelliste jouant un deck de type O. Mais c'est lors de la deuxième saison qu'il utilise le pêcheur légendaire. A ses yeux, le pêcheur légendaire est la carte qu'il associe à son père, un brave pêcheur disparu en mer. Elle a une place particulière dans son cœur, mais ça ne l'empêchera pas de perdre le duel face à Joey qui remportera le pêcheur légendaire. Joe l'invoquera dans son duel contre Odion, avec d'autres cartes qu'il aura obtenues lors du championnat de Batailleville, puis la carte tombera dans l'oubli jusqu'à revenir dans Yu-Gi-Oh! Arc V dans le deck de Trout, qu'il invoquera afin d'invoquer spécialement le pêcheur légendaire 3. Monstre guerrier de niveau 5, le pêcheur légendaire est un monstre à effet se combinant avec le terrain Umi. Étant d'attribut haut, la combinaison de ces deux cartes a un effet important. Tant que Umi est sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets de magie et ne peut pas être ciblée par des attaques, mais votre adversaire peut vous attaquer directement. Son niveau 5 nécessite donc un monstre à sacrifier pour l'invoquer normalement, mais il n'a qu'une attaque de 1850 et une défense de 1600, ce qui n'en fait pas un monstre extrêmement puissant. C'est principalement son effet qui le rend utile, ainsi que son évolution. Par évolution, j'entends ces deux variantes, le pêcheur légendaire 2 et 3. Le niveau 2 a un effet supplémentaire en plus d'avoir les mêmes effets que le premier. Si cette carte est détruite au combat ou à cause d'un effet de carte quand elle est face recto, vous pouvez ajouter un monstre de niveau 7 depuis le deck à la main. Et ça tombe bien, le pêcheur légendaire 3 est de niveau 7. Le niveau 3 s'invoque spécialement en sacrifiant un pêcheur légendaire. Lorsqu'il arrive sur le terrain, on peut bannir toutes les cartes contrôlées par notre adversaire, mais on ne peut pas attaquer. A la fois non destructible au combat par des effets de cartes ainsi que par les magies pièges, ça fait de ce monstre une carte assez puissante. Elle peut en plus renvoyer autant de cartes bannies au cimetière que possible de notre adversaire afin de faire doubler les premiers dommages de combat ou d'effets qu'il recevra, ce que Trout fera d'ailleurs dans l'animé. On peut aussi retrouver le pêcheur légendaire sur la carte piège Attaque furtive de la mer, qui se combo très bien avec la magie de terrain Umi. Tombée dans l'oubli mais pas dans le cœur de Mako, le pêcheur légendaire n'a jamais brillé lors de tournois. Trop souvent mis de côté, elle reste une carte importante dans mon cœur aussi. Touché par l'histoire de Mako quand j'étais jeune, le pêcheur légendaire gardera une place particulière et n'est jamais très loin des decks que j'adore jouer. Courrier spécial pour Monsieur Tsunami! C'était une enveloppe contenant une carte de duel de monstres et un message anonyme disant « N'abandonne jamais ». La carte était celle de l'ombre des mers, un pêcheur légendaire tout comme mon père.